Eh bien, Jamel Boukercha, bonjour, heureux de vous retrouver à partir du stade du 5 juillet. Vous l'avez dit aujourd'hui, le stade fera le plein. À ma droite, il y a les supporters de l'USM Al Harrach, le jaune et le noir dominent. Ils sont venus, ils ont déployé leur banderole, notamment avec des drapeaux du Borussia Dortmund, puisqu'ils ont les mêmes couleurs. À ma gauche, la JS Kabylie est présente. On attend encore plus de supporters de la JSK. Pour le moment, ils n'ont pas fait le plein. Ce qui est sûr, toutes les conditions sont réunies pour faire de cette confrontation une superbe finale entre la JS Kabylie et l'USM Al Harrach. En venant au stade, sur le chemin menant vers le stade du 5 juillet, je peux vous dire que ça avance. Par choc contre par choc, les supporters des deux camps ont déployé leur drapeau, ça klaxonne, et le stade fera le plein aux alentours de 14h. Oui, 14h, coup d'envoi de la finale militaire, toujours bien avant la finale de la Coupe d'Algérie. On va parler de Rachid Belhout, c'est l'entraîneur de la Jeunesse Sportive de Kabylie. Il reste sur une victoire en Coupe de Coupe. C'était à Bizerte en Tunisie. Une année après, il est à Tizi Ouzou pour une autre finale avec la JSK. Alors Belhout qui mise sur Fals Hamiti, meilleur buteur, mais également sur Youssef Sofiane qui reste sur une victoire en Coupe d'Algérie. On l'écoute à votre micro, Mahmoud Djebbour, sur cette finale. Harrach a fait quand même, il fait quand même une bonne saison. Il y a quand même des jeunes joueurs, il y a une équipe qui est quand même là, une jeune équipe. Bon, c'est à nous à essayer de faire parler l'expérience et puis d'essayer de faire le meilleur match possible. Je dis tout le temps, c'est pas toujours le meilleur qui gagne, mais il faut quand même que ce jour-là, on essaye d'être meilleur que notre adversaire si on veut l'emporter. Voilà, c'était Rachid Belhout, l'entraîneur de la Jeunesse Sportive de Kabylie. Du côté de l'USMH, l'entraîneur Harrachi Boualem Chalef s'en remettra à son duo d'attaque.